chien de Créteil. Et moi de Limoges. Je l'ai fait monter en fait exprès pour venir au festival. Mes filles qui ont 7 et 10 ans adorent et c'est elles qui m'ont demandé de venir ce soir. Soyez gangsters, soyez voyous. Toi montre tout mon loup. Il faut pas que les festivals et les scènes intéressantes ou grandes, enfin plus grandes, soient cantonnées aux grandes villes. Donc festival en banlieue, un peu éparpillé comme ça, c'est cool. Et donc moi je suis contente de pouvoir voir des petits groupes comme ça qui commencent à être connus avec un prix très intéressant. Et surtout une petite salle et pas les grandes salles où on les voit pas. Exactement, il y a toute une autre ambiance. Voilà, bravo au Festival de Marne. Ça fait venir tout d'un coup plein d'artistes dans le département et du coup je pense pour les gens qui sont là quoi, ça peut être peut-être le moment où ils vont regarder ce qui se passe et aller voir des concerts quoi, c'est un peu un rendez-vous quoi. Je trouve toujours que les festivals qui font venir des artistes découverts, des artistes plus confirmés, pour donner ça aux gens, c'est toujours positif, enfin, c'est toujours quelque chose de bien. C'est bien qu'il y ait toujours encore les moyens, parce qu'aujourd'hui c'est compliqué, donc c'est bien qu'il y ait encore des moyens pour la musique. Je trouve que les trois concerts se sont bien complétés, un ensemble assez cohérent et très sympa à écouter. Le fait que ce soit abordable et en même temps très varié dans les choix, c'est très bien.